Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un album que j'ai réalisé avec la collection de Florilège Design Sakura. Alors, j'ai pris donc du carton, il y a le papier de la collection, il y a du papier rose pâle et du papier, je n'arrive pas à le dire. Donc je vais le l'épeler. GRIS. Vous savez, j'ai un petit problème, enfin un petit. J'ai des petits problèmes de prononciation. Donc tout ça pour vous dire que là, en fait, c'est une image dans une. C'est une image. C'est une fleur que j'ai découpée dans la collection du papier. Donc j'ai découpé. Alors, je ne suis pas un pro du découpage. Donc, quand je trouvais que ça faisait pas beau comme j'ai découpé, j'ai pris un stylo ou de l'encre avec le petit doigt en mousse et j'ai encré les bords pour cacher un peu la misère. Donc là, c'est le tampon que j'avais acheté, si vous vous rappelez, avec celui-là. Laisser ses rêves changer la réalité et croire que oui, tout est possible. Alors là, j'ai découpé des fleurs dans les tampons de florilège. Sur la tranche, il n'y a rien. Et derrière, dans la collection, il y avait des lettres. Donc B comme bonheur authentique. Nous allons l'ouvrir. Le ruban vient de Béadi, la youtubeuse. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Si j'y pense pas, dites-moi-le. Donc là, il y a juste une petite pochette avec quatre possibilités de petites photos. Donc là, c'est une carte de Project Life avec la petite japonaise, Lovely. Et en fait, on mettra les photos derrière, là, comme vous pouvez constater, mon tampon est tombé. Ouais, il est tombé sur l'album. J'étais dégoûté. Mais bon, c'est pas très grave parce que là, on mettra une photo. En fait, les photos se mettront là, de ce côté. Là aussi, là, j'ai découpé. Alors, moi qui n'ai pas fan du découpage, je suis quand même très content de moi. Je trouve ça vraiment joli comme j'ai découpé. Là, c'est un tamponnage que j'ai réalisé, que j'ai ancré avec le papier de la couleur que j'arrive pas à dire. Une carte de Project Life que j'ai découpée, j'ai ancré dans le papier rose. À chaque fois, j'ai mis les petites fleurs de florilège. La photo adorable qui est collée à moitié. Une photo. Une carte de Project Life avec la photo derrière. J'ai découpé la carpe et ça. Et la petite japonaise qu'on retrouve ici avec l'éventail qui sûrement ne s'appelle pas éventail. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un album très facile à faire et très épuré. Ça change de ce que je fais d'habitude. J'ai voulu quelque chose de propre, si je peux dire. Donc quelque chose d'épuré. Parce que, en fait, je me dis que ben, le papier est tellement beau que ça sert à rien de rajouter 3000 choses. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ça peut faire 14 photos. Ouais, c'est pas un immense album, mais j'ai pas envie de faire un énorme album. En fait, il n'est pas pour moi, il est pour une amie à moi. J'espère que ça lui fera vraiment très plaisir. En fait, cet album a une signification. Ça sera pour une journée qu'on passera ensemble plus tard. Voilà. Pour mettre nos souvenirs ensemble. Voilà. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien de Béadi, je vous mettrai le lien de la collection Sakura Florilège. Je trouve que vraiment ce papier est juste sublime. Je le trouve vraiment magnifique. Vraiment.
Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, à bisous, bisous!